Alors, quel est le poids et l'influence d'Airbnb sur le secteur touristique insulaire? Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Cette perception de la taxe de séjour est-elle conforme aux résultats d'Airbnb selon vous? Écoutez, moi, je ne vais pas me transformer en agent du fisc ce soir. Les chiffres du chiffre d'affaires donc d'Airbnb en Corse sont très élevés. D'abord, ça représente le chiffre d'affaires d'un certain nombre de loueurs, bien évidemment. Mmh. On est à 260 millions d'euros. On a 1 700 000 nuitées. 1 700 000 nuitées, on sait qu'on paye la taxe de séjour à la nuitée. Donc, ces chiffres, comment les avez-vous obtenus? Quelle est la source? Ce sont les sources d'Airbnb, bien évidemment, hein, qui a un site qui s'appelle AirDNA. Donc, ce sont des informations publiques. Donc, s'il y a 1 700 000 de nuitées, on doit avoir une taxe de séjour, normalement, qui doit être beaucoup plus élevée que les 300 000 euros qui ont été versés. Ce n'est pas suffisant, et pourtant Airbnb se réjouit et annonce même une très forte augmentation par rapport à 2018. Ben oui, mais Airbnb aujourd'hui est obligé de reverser la taxe de séjour après le combat de multiples communes en France, mais aussi en Europe. Donc il y a encore des contentieux qui sont pendants devant la Cour de justice européenne. Donc il y a un combat qui est mené pour que, comme pour toute location touristique, quelle qu'elle soit, eh bien, une taxe de séjour soit versée. Donc il est tout à fait normal, il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'Airbnb reverse une taxe de séjour aux communes corses. Donc c'est tout à fait logique, normal, mais je pense que le reversement doit être certainement beaucoup plus élevé. – Les professionnels du secteur dénoncent souvent une concurrence déloyale puisque les charges ne sont pas les mêmes. Quelle stratégie adopter par l'agence du tourisme? Alors aujourd'hui, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est face à une révolution dans le domaine de l'hébergement, dans le domaine, on le sait, du transport, par exemple, avec Uber. Mmh. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. Et ça a un avantage pour les consommateurs que nous sommes. Il faut bien le dire, nous les utilisons tous. Enfin, moi, ça répond aussi à une demande. Ça répond aussi à une demande, bien évidemment. Il y a une demande qui est en forte croissance par rapport à ce type de prestation, par rapport à l'économie collaborative. Donc la stratégie, elle est très complexe. Parce que d'une part, il y a une demande, d'autre part, il y a une concurrence qui est parfois et le plus souvent déloyale. Et donc, il y a des emplois, des investissements, des entreprises aussi qui sont en difficulté, qui peuvent être en difficulté. Et puis, il y a aussi des centres-villes qui se transforment en immenses hôtels, en immenses dortoirs. Ça pose la question aussi du vivre ensemble dans ces centres-villes. Ça pose la question aussi des copropriétés où vous avez des logements Airbnb ou autre, hein, puisqu'il y a d'autres plateformes collaboratives. Donc, c'est assez compliqué. Donc, l'ATC a une veille très, très pointue sur le phénomène. Nous allons contacter les responsables d'Airbnb et d'autres plateformes prochainement. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure... C'est d'essayer de réglementer davantage rapidement? Alors, réglementer davantage, c'est compliqué compte tenu de nos compétences réglementaires et législatives en Corse. Aujourd'hui, vous avez vu pour l'éco-taxe sur les camping-cars, notre demande d'adaptation est restée lettre morte. Donc c'est très compliqué de ce point de vue. Merci Marie-Antoinette Maupertuis d'avoir été notre invitée dans ce journal. Merci. Les élections.